Blanchard, ouais, Claude Sarotte, ouais, et Jean Benguigui. Ouais. Oh, c'est pas gentil, Jean, de se moquer de Claude comme ça. Vilain copieur. Mais je peux pas me moquer d'elle. Il m'a pas copié, il s'est foutu de ma gueule. Pas du tout. J'essaie d'être aussi élégante que toi, c'est tout, j'arrive pas. C'est mal le connaître. C'est pas mon problème. C'est vrai, Claude, que vous pourriez faire un geste un peu plus, peut-être, majestueux, plus... Mais il me porte bonheur, ce geste. Ah oui? Parce que, mais on dirait quand même un peu Spider-Man. Pardon. Et l'autre qui est terni. Les téléspectateurs n'auront pas vu, mais vous venez d'éternuer, Perry Cochin. Sur moi. Il faut dire que si vous couvriez un peu plus, peut-être que vous n'auriez pas une belle angine de poitrine comme vous nous montrez. Vous avez même des côtés dans le dos, on va bientôt vous pouvoir mettre le thermomètre. Laurent, plus personne ne se le met d'un derrière. Tu le mets où, toi? Ah, si, si. Claude, vous le mettez où, alors? Moi, je le mets encore où tu penses, mais je suis la seule. Et ça fait combien de temps que vous le mettez là? Bah, depuis toujours. Mais faut l'enlever. Ah, là, c'est une émission qui va rester dans les annales. Bon, allez. Il est temps, je crois, de passer à la photo du jour. C'est celle de Nicolas Sarkozy en visite hier à Bondy, dans un commissariat, à propos duquel, vous le saviez, Elisabeth Guigou avait dit qu'une parente d'élève avait été mal reçue. La parente d'élève en question avait ensuite démenti. Elisabeth Guigou avait-elle maintenu sa version? Nicolas Sarkozy s'est ensuite rendu sur place pour soutenir le policier accusé. Qui dit la vérité? Vous le saurez dans le prochain épisode de Babette et Nicolas. Donc ça a foutu de se chercher des noix sur une affaire aussi ridicule. Parce que quand même, je m'explique. Qu'on puisse être parfois mal accueilli dans un commissariat, c'est quand même pas un scoop. Qu'Elisabeth Guigou attaque Sarkozy là-dessus, alors que c'est bien connu sous la gauche, les commissariats, c'était des salons de thé, le langage employé, c'était l'Académie française. Et que Nicolas Sarkozy y aille jusqu'à Bondy pour vérifier, alors là, c'est le pompon. Nicolas Sarkozy, c'est le nouveau Darty de la politique française. 24 heures sur 24, il se déplace là où vous avez besoin de lui. D'ailleurs, vous avez vu les nouvelles voitures du ministère de l'Intérieur, les voitures de police, regardez maintenant. Jean, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Je suis comme Claude Sarotte, j'adore ce type. Et vraiment, il est sur le terrain, il est franc, il est loyal, c'est un mec qui a toujours tenu une seule ligne. Et j'aime beaucoup cette fidélité. J'adore ça, c'est lui. Mais attends, tu crois, moi. Claude Berch, hier à la radio, tu nous as fait un énorme couplet que t'en avais marre de Sarkozy, marre des gens qui disaient qu'il était bien, marre de tout. Je fais une mise au point. Que M. Sarkozy fasse son travail de ministre de l'Intérieur de droite, c'est son boulot. Mais que tous les gens de gauche lui fissent les pompes, ça, j'attaque plus les gens qu'il soutiennent que son travail. Je m'attaque moi. Non mais attends. Faut pas t'attaquer toi, t'es pas de gauche. Tu risques rien. Là-dessus, tu risques rien. Thierry. Dans le cadre de cette petite histoire qui est grotesque, c'est Elisabeth Guigou qui, à mon sens, n'avait rien... Enfin, c'était pas intéressant. Si on est dans la cour de récréation, comme ils ont l'air d'y être, autant le dire, c'est elle qui a commencé. Ben voilà. Ah ben oui. Si. Ah si, Jean. Le seul truc qu'elle a trouvé pour attaquer Sarkozy, c'est de dire « Ah, il y a dans tel commissariat, il y a quelqu'un qui n'a pas été bien reçu. » Excusez-moi, c'est de la connerie. Disons que c'est pas un manque d'attaque très efficace. Ouais, alors voilà, donc c'est elle qui a commencé. Et de toute façon, mon père, il est plus fort que le vôtre. Voilà. Allez, on change de sujet. Parce que franchement, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy dans l'actualité. Il y a le PSG aussi. Qui va succéder à Luis Fernandez? Regardez, on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, la preuve, hein, il est déjà sur le terrain. Ce serait une bonne idée, non? Franchement, vous lui rasez les cheveux. Vous récupérez une sucette de Luis Fernandez, ça fait Kojak en plus. Hein? Non, c'est promis. Je vous promets, j'en parle plus bien. Un autre sujet, une nouvelle statue de cire est entrée, vous le savez, au musée Grévin cette semaine. Regardez, il s'agit de Nicolas Sarkozy qui pourra... C'est pas possible. Ça, c'est
une imbécilité. C'est pas... Même, oui. même en cire, il pourra pas rester en place. Mais c'est une blague. C'est même blague. Pas vrai, mon pauvre. Mais il pourra ainsi surveiller le musée Grévin lui-même. Ah bah ouais. Mais bien sûr que c'est pas vrai. C'était Henri Salvador qui, cette semaine, est entré au Grévin. Mais bon, c'était une occasion de parler de Nicolas Sarkozy. C'est assez rare. Et puis, de toute façon, Henri Salvador, on n'avait pas la photo parce qu'Henri Salvador, lui, est déjà parti chez Alain Juppé pour lui apprendre à rire sur commande. On oublie la politique quand même pour le cinéma avec un très joli film qui sort aujourd'hui. Un monde presque paisible, un film de Michel Deville dont voici l'affiche. Oh non, lui encore. Non, là, non, là, vous exagérez, monsieur Sarkozy. Là, c'est trop. Là, faut pas abuser. C'est trop. Il est derrière la machine à poudre. Oh, il s'ingère partout. Allez, plus sérieusement, là, vraiment, un autre sujet dont on avait d'ailleurs parlé ici, c'est ce qu'on appelle la suite de l'information dans ces cas-là. Cette jeune fille qui portait un foulard, elle s'appelle Dalila, et qui a finalement été réintégrée dans son travail sur décision hier du Conseil des Prud'hommes, même si, avec un voile sur la tête, plutôt que les prud'hommes, c'est les femmes prudes qu'elle aurait dû aller voir. Oh. Bon, vous avez eu raison aux prud'hommes. Oui, ils m'ont redonné son travail. La loi. Ils ont respecté la loi. Faut dire qu'ils l'avaient engagé comme ça. Absolument. Alors, après tout, il fallait... Absolument. On termine par la polémique sur les directs et faux directs à la télévision française suite aux émissions de Star Academy et Miss France vendredi et samedi dernier qui ont un peu abusé, il faut bien le dire, les téléspectateurs de TF1. Alors autant le dire, maintenant on va expliquer comment ça se passe aux téléspectateurs. Quand vous voyez là, au coin de l'écran, affiché en direct, c'est que c'est en direct. Là par exemple, c'est affiché, c'est donc du direct. La preuve, Claude, quelle heure est-il ? Il est 1h05. Ah, pardon. Claude ! Pardon, excuse-moi, alors là, je ne sais plus... 19h05. À peu près, vous, quelle heure vous avez, Jean ? 3. Moi, j'ai 18h57, je crois que vous avancez, Claude. Vous, Raphaël ? Moi, j'ai 4. Il n'y en a pas un qui peut me dire moins 5 au cas où ça a marché. Moins 5 ça... Ouais, moins 5. Essayez de donner plein de trucs, après au montage on s'arrange. Oui. Ah, vous avez compris, quand c'est écrit en direct, c'est du direct. Quand, hop, on enlève le direct, hein, quand c'est plus écrit, c'est plus du direct. Et la preuve que nous on est en direct, c'est que regardez, je peux remettre le direct. Ah voilà, hop, là je remets le direct, comme je veux. Ça c'est la preuve que c'est du direct. Ouais, bah, d'accord. Vous avez compris. D'accord, je ne savais pas. Cher téléspectateur, est-ce que vous avez compris ? Ah, c'est ça, le direct. D'accord. C'est enregistré ? Ah, non, je veux dire, c'est enregistré. T'as dit qu'il... Que vous avez compris ? Rien. Notre invité s'appelle maintenant Ali Ndougui. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il est épicier à Montmartre. Et déjà célèbre tout de même, puisque son épicerie ne se situe pas n'importe où. C'est la maison Collignon, le lieu mythique du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il a d'ailleurs un peu profité du succès des aventures d'Amélie pour récemment sortir un disque, Ali, l'épicier de Montmartre, dans lequel vous retrouverez le récit de sa vie, des chansons, des grandes figures de la butte Montmartre. Revisitez tout ça à la sauce berbère, ainsi que des musiques montmartroise, plus actuelle évidemment. Est-ce que Ali ne voudrait pas le beurre et l'argent du beurre ? C'est une question qu'on va lui poser tout de suite. Pour tester Ali, l'épicier de Montmartre, on va l'accueillir en compagnie de celle qui chante avec lui sur ce disque, Ginette, puisqu'ils chantent ensemble sous les palais Tuvier. Ginette et Ali, l'épicier de Montmartre. Bonsoir Ginette. Bonjour Laurent. Bonjour Ali. Ôtez-moi d'un doute, Ali Ndougui. Est-ce qu'on vous voyait dans le film Amélie Poulain ou est-ce qu'on voyait seulement votre épicerie ? Ah non, on voyait seulement l'épicerie. Mais en revanche, votre épicerie est devenue célèbre grâce au film. Ah, tout à fait. Et vous, Ginette, vous êtes montmartroise aussi ? Ah oui, oui, oui. Bon, c'est votre épicier ? Ah oui, oui, oui. Depuis toujours ? Pas depuis toujours, depuis mais Montmartre. Depuis Amélie Poulain, du depuis moins. Amélie Poulain. Ah, ah, bah oui, parce qu'elle a joué un rôle dans le film d'Amélie Poulain. Oh, un rôle, disons. Oui. J'ai un passage avec Audrey. Audrey Tautou. Traversant la rue Le Pic, moi je descends, elle monte. Et depuis, vous allez voir Ali l'épicier. Et voilà. D'où ce disque et voilà. Ce duo. Alors là, c'est assez incroyable. Il n'y a pas que des chansons là. Moi, je croyais qu'il y avait là-dessus 20 chansons d'Ali. En fait, vous... Voilà. Hein? 20 chansons, c'est beaucoup, ça. Oui, c'est beaucoup, il y en a une.
Oui, il y a des palétuviers, c'est vrai. Bah, les autres, c'est des vieilles chansons comme celle de Ray Ventura et ses collégiens. Il ouais. Y a aussi... Y a... C'était un coquin par Arletty. Arletty, voilà, des chansons de l'époque. Des bananes. Vous avez écouté, Isabelle? J'ai écouté toutes les chansons, j'ai bien ri. C'est très sympa. Mais ils se vendent dans les grandes maisons de disques aussi. Hein. Ah, mais oui. Patrick Bruel tremble. Ouais. Il dit, ah, il y a Ali l'épicier, il faut que je me méfie. Ah oui, oui, absolument. Ah oui, oui. Claude. Moi, je trouve ça formidable. C'est mignon comme tout. Mais qu'est-ce que je râlerais à ta place de ne pas avoir exigé contre la location de ton épicerie le rôle de l'épicier. Tu dois en être malade, non? Ah oui, j'en étais malade. De... Non, mais... Vous êtes resté copain avec Jamel. Ah oui, oui, oui. Qui jouait dans l'épicerie. Ah oui, on a gardé une grande amitié, d'ailleurs avec Jean-Pierre Jeunet. Aussi. Ah oui, oui, très bien. Vous avez écouté Perry? Oui, bien sûr que j'ai écouté. Je voulais savoir, c'était une idée de qui? C'est une idée de vous? C'est un copain musicien qui a eu l'idée de réaliser ce CD. Au départ, il me disait, bah écoute, j'aimerais bien enregistrer l'ambiance de la boutique. Oui, parce qu'il faut expliquer, on entend la question, enfin le tiroir caisse, on entend... Il y a l'ambiance de l'épicerie, voilà. Il y a l'ambiance de l'épicerie, oui. C'est ce qui fait le charme. Ah oui, c'est ce qui fait le charme. Il y a le potin de l'épicerie. Oui, c'est ça, oui. C'est sympathique. En fait, ce disque, c'est ça, en fait, c'est un voyage à travers Montmartre. On a l'impression de... C'est ponctué, justement, d'anecdotes, de bruits d'ambiance. Et alors, on c'est... En c'est... En rajoute, mais non, c'est vrai. Et en fait, je trouve ça très conceptuel, comme disque. C'est un renouveau. Oui. Parce que c'est un voyage, oui. Comme avait pu faire, d'ailleurs, Serge Gainsbourg avec Mélodie Nelson. Moi, je trouve vraiment, quoi. Vous avez vendu combien pour l'instant? À l'épicerie, on en vend une vingtaine par jour. Ah, quand même. Ah oui, 20. Il fait son bord, digital. Il y avait un client hier, il me dit que le CD est sorti. Je dis oui. Il m'a dit, bah, ça sera le plus beau cadeau que je ferai à ma femme. Ah bah voilà. Parce qu'elle l'aime bien. Genre, moi ce que j'aime beaucoup, moi ce que j'aime beaucoup chez le berbère marocain Ali, oui. C'est qu'il a l'accent du faubourg d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, les mecs parlaient comme ça avant-guerre, les mecs de Belleville. Et maintenant, le vrai Parisien, il parle comme ça. Sur le pont Mirabeau, colle la Seine et nos amours. Quand un peu de temps souvienne, les jours venaient toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont et j'y habite. Alors on parle. Alors là, Ali. Oui. Va falloir chanter. Ah. Oula. Parce que vous savez qu'un bon passage dans cette émission, c'est pas 20 disques par jour qui va vendre. C'est 100, 200, 300. Non, mais si vous voulez m'entendre chanter, ah, oui. Mettez le CD. Mettez le CD. Alors, quand on va les encourager tous les deux. Je viens de ces pas, mais j'y vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je te suis, pas têtu, sur les grands palétus. Viens sans sourciller, allons gazouiller sur les palétuviers. Ah oui, sur le pas, papa, sur les palétus, sur les palétuviers. Ali et Ginette! L'épicier de Montmartre a cédé à cause du succès déjà introuvable. Isabelle et Perry. Moi, je la trouve géniale. Il y a une chanson que vous aimez bien là-dessus qui s'appelle Vive les bananes. Ah oui, c'est comment Vive les bananes? J'aime pas les noisettes, on s'y cosse les dents. Mais vive les bananes, parce qu'il n'y a pas de dose dedans. Par Ventura. Ça, c'est formidable, ça, parce que j'ai un client qui me l'a acheté. Oui. Il me dit, depuis que je suis cédé, ma fille ne dort plus. Rien que avec les bananes, et à chaque fois, elle met le CD. Elle dort plus. Ah ouais, non, mais c'est formidable. Pourquoi il veut pas faire dormir sa fille? Ah bah, la chanson des bananes, elle adore ça. C'est magnifique. Et puis ça va très bien avec les fruits et légumes. Allez, bon, merci tous les deux. L'épicier de Montmartre, l'épicier d'Amélie Poulain. Ali, après l'épicerie, vous n'avez pas fait le film, vous avez fait le disque. Voilà, tout à fait. Voilà. Ali et Ginette, merci à tous les deux. Merci, Laurent. Au revoir, merci. Au revoir, Ali. Ouais. Tu en as vendu des disques, crois-moi. Aujourd'hui, c'est la sortie nationale du deuxième volet
du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, c'est le titre exact du film réalisé par Peter Jackson. Le premier épisode avait très bien marché et on s'attend au même succès pour la suite des aventures de Frodon le Hobbit. C'est le héros du film, machin le Hobbit. Un film dans lequel s'affrontent des bêtes très laides, des images démoniaques et des nains pas très grands. Bref, pour tester le Seigneur des Anneaux, les deux tours, accueillons un spécialiste, lui, des légendes et contes de fées, qui le 24 novembre a sorti Fées, Elfes, Dragons et autres créatures des royaumes féeriques, un livre conçu et dirigé par Claudine Glot et Michel Lebris. Avec lui, voici Pierre Dubois. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Vous êtes féerologue, vous êtes elfologue? Elficologue. Elficologue. Voilà, vous êtes le spécialiste des personnages imaginaires, en fait. Mais ils existent. Comment ça? Mais si, ils sont autour de nous, on les sent, on les pressent. Quand on rentre dans la forêt, on a toujours envie. Ils sont là. Ou dans les caves, dans les greniers. D'ailleurs, le grenier, autrefois, s'appelait l'Elfierie. Et on sent toujours des petites présences derrière. Bachelard disait... Gaston Bachelard. Voilà. Le barbu disait les petits êtres fuyants et cachés oublient de fuir lorsqu'on les appelle par leur vrai nom. Donc, une fois qu'on connaît les vrais noms des petits êtres, eh bien, on passe comme Alice. Stop. Le pont enchanté, Brigadoun, Brigadoun, Brigadoun. C'est ça. Bon, alors, écoutez. Et celui que vous avez cultivé exprès, oui. Vous avez un petit côté un peu ogre, un peu... Non, je crois que c'est assez facile. C'est lorsqu'on franchit le pont, justement. Ouais. Bram Stoker, l'auteur de Dracula, dit lorsqu'il lui franchit le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Et une fois qu'on franchit cette porte du merveilleux, automatiquement, les petits êtres, les fées, les sorcières, prends garde à ton derrière, viennent vers vous et là, le passage oh, est... C'est un génie. Ça tombe bien que vous parliez de Dracula parce que Christopher Lee a été évidemment un des plus célèbres Dracula et il est aussi dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, le deuxième épisode de cette trilogie. Oui. On regarde la bande-annonce du film, on en parle tout de suite après. Les forces de Sauron ont lancé leur attaque. Il utilise Saruman pour détruire votre peuple. Ils étaient désarmés et ne s'y attendaient pas. C'est un avant-goût de la terreur que Saruman va déclencher. Vous devez vous battre. Je ne risquerai pas une guerre ouverte. La guerre ouverte est déjà déclarée, que vous le vouliez ou non. Un nouveau pouvoir s'élève. La victoire est proche. Le jour ne se lèvera plus pour les hommes. C'est l'anneau. Frodon ! Il s'est emparé de vous. Vous avez le don de voyance. Dites-moi ce que vous avez vu. Il ne reviendra pas. Les défenses doivent tenir. Elles tiendront. Il n'y a rien pour vous ici, à part la mort. Il y a encore de l'espoir. Deuxième épisode du Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. Ça sort évidemment aujourd'hui, vous n'ignorez plus, sur tous les écrans de France. Vous devez adorer ça. Oui, j'aime bien l'esprit de tout ça, mais enfin, disons qu'il ne faudrait pas être débordé par les effets spéciaux. C'est la magie, c'est beaucoup plus intime, c'est en ça soi. Ça paraît difficile de faire quelque chose avec des fées, des elfes, etc., sans effets spéciaux. Non, mais c'est très bien. Vous avez la raison. Non, c'est tout à fait. Mais disons que l'esprit féerique doit d'abord venir de soi. Donc là, on peut avoir des déferlements et ça devient époustouflant. On dit, c'est extraordinaire. Vous avez vu le premier, vous n'avez pas vu celui-là encore. Mais vous avez vu oui, le premier... mais bon, j'aime bien quand même Tolkien. Bon, évidemment, c'est le maître. Ce qui est intéressant déjà avec Tolkien... C'est l'auteur des trois livres. Oui, voilà. C'est que les fées, les lutins, tous ces esprits sont décrits tels qu'ils sont théoriquement. Voilà. Alors qu'en fait, au départ, on les décrit comme des dieux. Voilà. Ce sont d'anciens dieux. Ils descendent de la mythologie. Ça y est, top. Qu'est-ce qui vous fait rire, Isabelle Alonso? Ça me fait pas rire. Je suis enchantée, c'est le cas de le dire. Vous aimez ça? J'adore. Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas trop accroché, justement, parce que je trouve que c'est... Vous avez raison, les effets spéciaux, tout ça devrait rester du monde de l'imaginaire. Et je voulais dire que pour moi, quand je rentre le soir chez moi et qu'il y a la petite lumière de mon répondeur qui clignote, celle de mon mail ou de mon fax et tout, pour moi, c'est des petits lutins qui viennent me parler. Je trouve qu'on vit dans un monde extrêmement magique. Moi, si j'ai du four à micro-ondes, elle me dit, tiens, il faut bouffer. Et ben, oui, là, sur les grandes lignes. Un petit lutin, Jean-Ben Guigui. Non, moi. C'est un gnome.
Bah, vous, oh, bah, vous non, avez... non, mais c'est gentil, c'est gentil. Je vais lui chercher un gnome. Mais c'est gentil, un gnome. C'est très gentil, un gnome, mais c'est pas très joli, un gnome. Il y a pire, il y a des trolls. Les trolls, c'est des trolls de bonhomme, c'est vrai que c'est... Moi, ce que j'aime bien, c'est l'effet fée. Parce que ce qui compte, c'est l'effet fée dans un conte de fées. Oui, mais c'est assez amusant. Par exemple, lorsque l'enfant naît, la fée mère la donne à la maman qui vient de le recevoir, et tous les secrets que l'enfant vient de connaître la de marraine, l'autre côté, c'est ça, la marraine. Voilà, c'est ça, c'est la fée marraine. C'est la marraine. C'est la marraine. C'est la marraine. Et la marraine fée dit: chut, tu te tais, tu ne dis pas les secrets. Et c'est pour ça qu'on a en dessous du nez cette petite fossette qui nous rappelle justement monsieur, tous ces secrets. Monsieur Dubois. De l'autre côté, oui, mon enfant. Vous êtes très bavard, monsieur Dubois. Je sais bien. Alors, je vous emmène, bien. Puisque vous aimez les fées, oh. Je vous emmène faire un tour sur notre périphérique. Oh, oh là, je... Merci. Alors, je suis navrée, mais moi, je n'ai pas réussi à passer le pont encore. Ah, c'est dommage. Alors, j'adore. J'ai vu votre livre, j'ai regardé avec attention, je trouve ça formidable, passionnant. Ça reste du domaine du rêve. J'aime bien rêver, mais sur des choses que je peux palper, que je peux avoir en concret. Claude Sarraute. Bah, moi, à mon âge, j'ai été nourrie de contes de fées, de contes et légendes. De baguettes magiques. Je serais incapable de voir ce film. Je le 1, vous n'aviez pas vu, Claude ? Ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 10. C'est tout à fait le contraire de ce qui vit en moi quand je pense aux trolls, aux djinns et à toutes les légendes du roi. Au djinn, vous pensez beaucoup aux djinns. Arnaud, vous l'aviez vu le 1 ? Oui, je l'ai vu le 1. C'était bien ? Ah, c'était sympa le 1, très très sympa. Ouais. Enfin, moi, je voudrais revenir sur le livre, j'ai adoré le livre, parce que justement, il y a vraiment une vraie chronologie, et on voit comment justement tous ces petits personnages ont inspiré un petit peu les auteurs, les peintres. Et je crois qu'avant, les contes étaient pour adultes. Tout à fait, le conte est un récit initiatique. Il ne faut pas oublier que les esprits de la nature, par exemple les fées, les lutins, les trolls, ce sont les esprits de la nature. Autrefois, la nature était sacralisée. Aujourd'hui, comme elle est désacralisée, on peut complètement la bousiller. On peut dire que les contes de fées, c'était un peu, et cette croyance aux fées, c'était de l'écologie avant la lettre. C'était un peu une écologie de l'âme. Même les oiseaux, les sautés, les sauterelles et tous ces petits oiseaux ont une histoire, une légende. Ah, il me fait mal en plus. Moi, j'adore les contes, les histoires. J'en regarde souvent. C'est les contes du Père Castor. Oui, oui, mais aussi. Alors, Père Castor, raconte-moi une histoire, Père Castor. C'est formidable. Fées, elfes, dragons, autres créatures des royaumes de féerie. Voilà, l'éditeur, vous le dites vous-même ? Webeck. Parfait, merci monsieur. Merci. Au revoir. Selon une étude britannique, les Anglais aiment faire l'amour en musique. Et la chanson qui arrive en premier les charts de l'amour, les parades si vous préférez, c'est Sexual Healing de Marvin Gaye, le seigneur de l'amour, comme on l'appelle. Le boléro de Ravel, curieusement, se classe en troisième position devant Robbie Williams, Enrique Iglesias et aussi Eric Clapton. Les Français aiment aussi écouter des chansons, mais en langue étrangère pendant l'amour, parce qu'avec Yves Duteil en fond musical, ça peut ramollir l'ambiance, évidemment. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Lady Diana, elle, a sûrement trop écouté The Wall. Arnaud Gidouin a présenté un nouveau modèle de lit, et il a testé pour nous l'influence de la musique sur le sexe, l'amour. Une caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonsoir, Arnaud Gidon. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous l'influence de la musique sur l'amour. Vous voyez pas qu'il y a quelqu'un, non ? Bonjour, je peux vous faire essayer de découvrir un nouveau lit qui vient des États-Unis. Il s'appelle le Love Bed. En fait, c'est un lit qui va stimuler les rapports affectifs. Donc les femmes vont parvenir un petit peu plus à l'orgasme. Dès que vous vous asseyez dessus, il y a une musique qui se déclenche. On a fait une étude sur, je vous dis, regardez, c'est très sérieux, sur 256 couples hétérosexuels et 44 couples homosexuels. 96,8% de réussite. Je vais mettre deux fesses dessus. Voilà, deux fesses dessus, oui, oui. Si tu vas à Rio. Elle fait peur, ce lit. Il y a plein de capteurs, en fait. Mmh. Dès que vous asseyez, dès que surtout que vous êtes avec une femme, ça se déclenche. Mmh. Non, c'est bien foutu, non, c'est invisible. Voilà, écoutez bien. On sentait les vibrations, hein. Ça donne envie, non, de faire ça. Ah oui, hein. C'est génial, hein. Hein, surtout avec la musique. C'est incroyable, non? Ah ouais. Donc ça s'appelle le Love Bed. La musique au lit développe les rapports amoureux. Ouais, pourquoi pas. Ah ben non, mais c'est sûr. Ouais, c'est bon. Vous voulez qu'on essaye ensemble, madame? Parce qu'à deux, il y a d'autres sensations à deux. Allongez-vous avec moi. Venez voir.
Voilà, on va être bien tous les deux. Je pense à Fernande, je pense. Ça marche? Vous sentez un peu les vibrations? Quand je pense hein à Félicie. Non, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez me le commander, regardez, dites musique, madame, musique. Musique, je voudrais bien. Alors, regardez, écoutez, ça c'est peut-être pour monsieur. Il y a besoin des Américains pour ça? Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais. Change. Alors justement, en fait, on s'est aperçu, donc après une recherche, vous voyez, de l'Indiana High College Institute, qu'en fait, la musique au lit développait les rapports affectifs. Installez-vous. Attendez, attention, attention les enfants. Et écoutez bien. Il y a une musique. Voilà. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Et alors, vous pouvez commander au lit, hein. Vous pouvez dire une autre musique. Quand je pense à Léonore. Ah bon, autre musique. Alors là, si ta maman veut dire plus fort, oui. Allez-y. Plus fort. Ça peut booster un petit peu votre énergie sexuelle. J'ai pas besoin de la musique pour booster. Peut-être pour votre mari, alors? Oh, je ne pense pas. On va passer à Claude François, vous allez reconnaître. Ça s'appelle « Ça s'en va et ça revient ». Vous avez toujours un petit peu les messages. Hein. C'est un programme pour rentrer vos voix et ça vous obéira qu'à vous. Hein. Comme ça, si ta maîtresse un jour elle vient à la maison qu'elle dit plus fort, bah, elle n'a pas moyen. Donc alors, ça vous branche? Ouais, j'aime bien. C'est sympa, ça donne envie. Bah, c'est un appel. Hein. Ouais. Allez, viens, on rentre à la maison. Allez. Arnaud Gidois, vous avez eu donc ce sondage entre les mains, un sondage fait réalisé en Angleterre. Il faudrait le faire en France pour savoir ce que les Français écoutent pendant l'amour. Vous écoutez de la musique pendant l'amour, vous, Isabelle Alonso? Ça m'est arrivé. Je me souviens avoir eu une aventure assez torride avec un fan d'Yves Montand. Et un jour, il a mis une compile d'Yves Montand. Ça commençait hyper bien. Quand tu dors près de moi, j'imagine parfois. Et puis, c'est passé à la chanson d'après, qui était une chanson sur un boxeur. Et derrière, il y avait des chœurs qui faisaient « Wap dou wap, vas-y mon petit gars, wap dou wap, vas-y mon petit gars ». On va accueillir quelqu'un qui va pouvoir nous parler de ce sondage, parce que non seulement c'est un spécialiste de la musique, mais en plus il est anglais. Alors il doit être au courant des résultats de ce sondage. Je vous demande d'accueillir quelqu'un que vous connaissez bien. Il a été chroniqueur chez Christine Bravo dans Union Libre. Il anime actuellement Musique Planète Tonight sur Arte. Voici monsieur Ray Cox. Sexual Healing de Marvin Gaye, terminé en tête des choix préférés des Anglais pour faire l'amour en musique. C'est un bon choix, Marvin Gaye? Ça veut dire que c'est un très bon choix, mais c'est un cliché. Hein. Tout le monde va répondre ça. Ah oui? Quels sont les artistes du moment que vous conseilleriez pour qu'il y ait une ambiance qui soit un peu... Pour moi, il faut mettre la musique électronique, pas la musique envahissante, la chill-out music. La musique électronique, il y a un rythme constant, voilà. Comme un moteur de... Oh, sorry. Non, c'est ça qu'il faut faire. Et dans les choses que... un peu plus accessibles, peut-être. Un peu plus accessibles. Si c'était une petite minette, il vaut mieux avoir toute la collection d'Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Si c'est une femme un peu plus vieille, il vaut mieux avoir Coldplay, quelque chose comme ça. Radiohead. Radiohead, Coldplay. Qui montre qu'on est un homme qui réfléchit bien. Arnaud Gidois, vous avez imaginé quelle musique pourrait nous... Ah oui, alors justement, moi je me suis procuré la musique de chacun ici autour de la table et pour Isabelle, on verra, c'est pas Yves Montand, hein, mais bon. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec Jean, c'est marrant, ce qu'il donne un petit nom à son petit zizi, hein, à son petit oiseau d'amour, il l'appelle Ève. Ève. Regarde, oui, regarde, écoute. Ève, lève-toi, danse. C'est incroyable. Enfin, ça c'est pour Jean. Ça c'est marrant. Après, alors, c'est qui? Bah, Claude. Claude, bien sûr, ce qu'elle a sur sa platine, c'est ça, hein, c'est vrai, je mens pas. J'ai la mémoire qui flanche. Je suis désolé, je l'ai trouvé là, hein, Claude. Hein. Des bisous, ma biche. Hein? Le alors, tour de qui? Bah, Isabelle Alonso. Alors, c'est pas du tout, Isabelle. Elle est si fragile, elle est une femme libérée. C'est pas si facile. Ça, c'est à fond. Alors, c'est marrant. La chanson que je déteste le plus au monde. Elle est trop courte, cette chanson. On avait pensé à Femme des années 80, parce qu'il y avait les deux aussi. Femme des années 80. Mais elle femme jusqu'au bout des seins. Quant à celui qui chante à côté, c'est ça. Je marche seul dans les rues qui se font. Alors, bon. Alors Perry, c'est incroyable parce qu'on la voit, Perry, très, très snob. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'hommes. Elle rencontre beaucoup, beaucoup d'hommes. Elle fait l'amour à énormément de personnes. Et alors, sur sa platine, regardez ce qu'il y a. Toute la pluie tombe sur moi. Comme quoi, dans les souliers,
Dis donc. Alors, quand Johnny Hallyday, c'est le taulier un petit peu de la musique, de la pop. Nous, ici, notre taulier, c'est Laurent Ruquier. Ah, moi aussi, vous avez récupéré. Oui, je suis allé chez vous. Et alors, attendez, regardez. Écoutez ce qu'il écoute, les copains. Alors. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière. Voilà. Non, c'est vrai. Mais je n'ai pas fait exprès, je suis arrivé, c'était donc, là. Invité, non. Ah non, j'ai pas écouté. Vous n'avez pas pensé à Rekha. Bah non, je suis pas allé, j'avais pas l'adresse de Ray. C'est bien dommage parce que moi j'ai pensé à vous. Quoi? J'ai récupéré. Pendant que vous alliez chez les autres récupérer les disques à côté de leur platine. On s'est croisés. Eh ben oui, moi je suis allé chez vous et j'ai pris le disque qu'il y avait sur la platine. Et à côté de votre lit, il y a ça. Isabelle Morizet. Et vous alors, Rekha, actuellement, sur votre platine à vous, il y a quoi alors? La vérité, c'est actuellement, parce que j'ai invité une fille chez moi récemment, pour, hein, j'ai des bougies et j'ai un album super bon. C'est un truc électronique qui est vraiment cool, qui est chill. Et il y a du rhythm là-dedans. Non, là, son problème, c'est ça. C'est pas m'empêcher. Alors qu'on peut... Mais ça, c'est les Anglais. Les latins, on n'a pas ce problème là, parce que nous, on se couche sur le dos et puis on laisse faire, vous voyez. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bien sûr. Ah, en France, c'est comme ça, ouais. Oui. Vous connaissez l'histoire du couple anglais qui est en train de faire l'amour, et à un moment, le mec dit à la nana, « Oh, chérie, je vous ai fait mal. » Et elle dit, « Non, pourquoi? Mais vous avez bougé. » Oh là là. Hey. C'est sur ça, Arte. C'est très drôle. Trois mardis par mois à l'émission musique Planet Tonight. C'est des concerts que vous faites, en fait. Hein? Oui, c'est deux concerts, deux groupes qui se rencontrent. Et je suis bien fier de cette émission. C'était qui les derniers, par exemple? Ah, mais on a fait quelque chose de génial qui va être diffusé en France en février. Et ça va être fantastique, ça, avec un groupe que vous connaissez tous, Zebda. Ouais. Et un groupe anglais qui s'appelle Asian Dub Foundation. C'est les hindous qui font la musique agressive. Ouais. Ça, c'est en février. Et il ne faut pas la rater, c'est donc fantastique. Les mardis du mois de février, regardez bien sur Arte, vous verrez Rekox avec le groupe Zebda, entre autres. Les Anglais n'ont pas besoin de musique parce que votre accent est tellement sexy. Tu verras les slips aussi. Allez, Rekox, on vous remercie. Merci, Laurent. Ciao. Merci. Bye. Le mois prochain, du 1er au 25 janvier, va avoir lieu la 25e édition du Paris-Dakar. Et pour fêter cet anniversaire, l'anniversaire du rallye le plus célèbre au monde, les organisateurs ont préparé un parcours extraordinaire, un peu particulier, qui permettra aux 395 concurrents du Dakar de sillonner les plus beaux déserts du monde. Le départ sera donné à Marseille et c'est en Égypte, à Sharm el-Sheikh, que cette brillante équipée arrivera. Un Paris-Dakar qui part de Marseille et qui se termine à Sharm el-Sheikh, évidemment, c'est un peu spécial. Il ne faudrait pas quand même que le prochain Tour de France ait lieu en Belgique. Bref, pour tester ce 25e Paris-Dakar, accueillons tout de suite celui qui serait prêt à faire les étapes à pied tellement il aime cette course. Il présentera le journal du Dakar sur France 3 et Bivouac sur France 2. Je crois qu'il en sera à son 8e Dakar. Voici Gérard Holtz. Salut Gérard. Je ne me suis pas trompé, c'est bien le 8e? Après, lui, Dakar, mais toujours en tant que commentateur. Quand est-ce que vous allez prendre le volant? Avec mes fils, je vais le faire. Ah, franchement, ouais. Il serait temps quand même. Je vais le faire. Il n'a pas le temps, il bronze. Je n'ai pas dit encore, mais je vais le faire avec mes fils. L'île de la Réunion. Préparation. Non, avec mes filles, j'ai 13 ans. Vous préparez une télé-réalité qui s'appelle L'île de la Réunion? Oui. Vous préparez le Paris Dakar à la Réunion? Très envie, oui. C'est génial, ils sont L'île de la Réunion est l'une des plus belles îles au monde, d'abord parce qu'il n'y a pas de racisme là-bas, ce qui est déjà génial. C'est l'endroit au monde où les communautés s'entendent le mieux. Ouais, que oui, ce soit. Quand même. Ils sont méchants avec les chiens. Dans l'île de la Réunion, c'est mieux, ça. Merci d'être venu nous parler du Dakar, Gérard. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que vous venez de dire, c'est que vous allez vraiment le faire en tant que concurrent ouais, à ces quatre. Un jour ou l'autre, mon fils Antoine, qui a 16 ans, veut le faire en moto. Et mon fils Julien, qui a 23 ans, lui veut le faire en voiture. Donc, à mon avis, un jour, peut-être l'année prochaine, ou peut-être l'année suivante, on va le faire tous les trois, oui. Et vous le ferez en quoi, vous, en voiture ou en moto? En vélo, il va. J'ai fait deux fois le rallye de Tunisie, déjà en moto. Ouais. Je suis motard de formation, et de base et de cœur. Et je le ferai peut-être en moto, on va voir. Isabelle? Mais c'est très vous dites très que vous le ferez un jour ou l'autre, alors j'ai juste un conseil, faites-le quand même pendant le Paris-Dakar. N'y allez pas au mois de juillet, il n'y a personne. Ça, c'est vrai.
Alors c'est vrai qu'on se marre toujours, hein, tous les ans, quand ça commence par une ville qui n'est pas Paris et quand ça finit pas par Dakar, et à chaque fois ça fait rire, parce que le Paris-Dakar, qui en fait est un Marseille-Sharm el-Cheikh, c'est curieux quand même. Ouais, ça fait, passe même pas par Dakar ce coup-ci. Même pas par Paris, même pas par Sénégal. C'est un petit peu difficile. Les organisateurs ont promis qu'on y retournerait l'année prochaine, en Afrique noire, mais cette année ils voulaient du sable. Mais là ils vont être servis, surtout les concurrents d'ailleurs, ils vont être servis, parce qu'on va avoir les plus belles étendues de sable qui puissent exister dans toute cette partie du monde. Il y a des dunes de 50 mètres, des dunes cathédrales qui sont... J'y suis passé en moto, c'est exceptionnel. Ça monte à pic, on a Notre-Dame devant nous, c'est en sable, on monte. Lorsqu'on arrive en haut, il faut donner juste un tout petit peu d'accélérateur, pas trop parce que sinon on saute. Auriol a fait un saut de 80 mètres un jour. Hubert Auriol, il est tombé. On a l'image qu'on va repasser au début du Dakar là. Voilà Hubert. Hubert. Il a fait un saut comme s'il était sur le tremplin olympique de Courchevel. C'est incroyable. Attends, donc il faut juste doser et derrière on se laisse glisser et la moto elle surfe. Je crois qu'il y a une étape qui va durer, enfin qui va avoir 858 km à peu près. Pratiquement 1000 km au total. Ouais. Et en moto, mais ça va être incroyable. C'était Paris-Marseille par les chemins. Les gars mettent un an de préparation. Ils s'arrêtent. Il y a deux fois moins de risques en moto, il y a deux fois moins de risques de crevaison qu'en voiture. Oh, puis l'intérêt, c'est qu'on... on pense jamais à ça. J'ai fait une course moto avec des copains homosexuels, c'était l'enduro du Touguet. Alors cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de people. Non. Parce que l'année dernière, ce qui avait passionné tout le monde, évidemment, c'était la présence de Johnny. Bah, ouais. Alors, cette année sans Johnny, il y aura vous, Gégé, d'accord, mais... Non. Oui, mais quand même. Il n'avait pas promis qu'il arrêtait de fumer, Johnny, l'année dernière. Eh oui. Mes souvenirs sont-ils bons? Nous sommes en Mauritanie, on prend le petit-déj ensemble, on prend le café, il se met à prendre une quinte de tout, mais épouvantable, et je lui dis, mais attends, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu t'arrêtes. Il fait, ouais, t'as raison, il faut que je m'arrête. Si tu vas à Dakar, promets-moi, comme une compétition, de t'arrêter. Il me fait, allez. D'accord, je m'arrête. Si j'arrive au Dakar. Il arrive. Il est au Dakar, lui. Oui, hein. En plus, oui. Si j'arrive au Dakar, je m'arrête. Là, et la fameuse phrase que vous avez passée, là. Oh, génial. Si j'étais arrivé 10 minutes avant, j'aurais gagné 10 minutes. Ouais, c'est une heure et quart. On arrive à Dakar. En direct, il prend le paquet, il le jette. On arrête l'émission. Il va chercher son paquet. Johnny, tu mens. Ah oui, c'est un spectacle. On t'aime. C'est pas fait. Ouais. Pareil, à cause de la pub. On l'aime. Je t'aime, Johnny, mais tu mens. À cause de la pub, on ne peut pas citer la marque de cigarette qu'il fume, mais à un coup, il voit une chamelle arriver, il dit, bah, s'il me livre en plus. Sur France 3 et sur France 2 à la fois, alors? Oui, ouais, c'est l'union de France Télévisions. L'après-midi, il y a la piste du Dakar avec Céline Giraud. À partir de 17h30, pendant 45 minutes, enfin entre 25 et 45 minutes, voilà, le journal qui fait deux fois plus d'audience que les émissions habituelles. Parce que ça aussi, on dit, depuis des années, on dit le Dakar, ça marche pas. Non, c'est une énorme erreur. Voilà. Mais bien sûr. Quelles sont les chances, 20h15 sur France 3 tous les soirs. Sont les chances des amateurs 100% si demain matin, moi, je pointe ma fraise, quelles sont mes chances d'arriver au Berry, bout? Berry, aucune chance. D'arriver, oui. De gagner, aucune chance. Non, de gagner, c'est comme si vous vouliez faire le trophée Lancôme ou avec les professionnels, ou si Jean ou Arnaud voulaient faire le Tour de France. Aucune chance. Ah oui. Ils vont au bout de leur rêve, quoi. C'est-à-dire qu'ils cassent souvent leur tirelire pour se donner des frissons, pour aller voir le désert, pour participer à un truc un peu fou, à une vraie aventure qui dure 3 semaines. Souvent, c'est leurs vacances. En préparant votre venue ici, Gérard Holtz, j'ai vu, donc effectivement, il y avait Céline Corot, que je ne connais pas. Giraud, parfait, c'est mal tapé. G-E-R-A-U-D, vice-championne du monde de judo, et que nous avons la chance d'avoir dans notre équipe de journalistes. Je la connais pas, c'est normal. Si elle n'existe pas, Céline Corot, je ne pouvais pas la connaître. Donc c'est Céline Giraud. Ça me fait marrer, ça. Ça, c'est bizarre que c'est celle-là. D'où elle débarque. Alors, le soir, comment ça se passe, justement? On sait, vous avez votre guitare, vous ne vous rasez pas, vous chantez pour les copains. Oh, l'histoire de la barbe, oui. Il y a une bonne ambiance, le soir? Alors, le soir, on a un gros avion, un énorme, un Hercule C-135, dans lequel on met nos tentes. On a chacun une petite tente individuelle. On monte sa tente, champion du monde, 23 secondes. 23 secondes pour monter la tente. Allez, en avant. Allez, on y va. Venez là. C'est pas la mienne. Déjà, c'est pas la mienne. Il y a des mâts. Non, non. Alors là, il y a pas. Ça, je peux pas faire 23 secondes. Ce sont des mâts.
Et comment tu vas les planter là dans le sable? Donc normalement, normalement. C'est pas con, oui, ça oui, en plus, oui. On a une perceuse. Il faut un ciseau, voilà. Alors, vous pouvez t'aider par la bande, si vous voulez. Allez, commence par. Ah oui, oui, je veux bien. Claude, Perry, Perry, s'il vous plaît. Perry, tout de suite, Perry, je m'en dis qu'un peu. Allez-y, Perry. Surtout que moi, je vais partir faire un rallye cette année. Ça, voilà. Vous prenez ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Voilà, vous pouvez monter ça. Vous avez jusqu'aux 20 heures. Oui, oui, non, non, mais là, on peut prendre. Qu'est-ce qu'il a dit, 23 heures? Si jamais vous réussissez, Gérard, vous avez le droit de présenter les 20 heures. Jamais. Oui, mais il a un handicap, là. Il a un handicap, Pierre-Raphaël. J'ai déjà fait le trésor, Laurent. Eric n'a jamais vu un camping de sa vie. Ils vont éborgner le camping. Regardez ailleurs. Non, mais c'est là. On va parler d'un camping aujourd'hui. C'est, là. Non, c'est Gérard, super compliqué. Oui, c'est bien tout ça. Je non, non, pas, non, ça moi. C'est bien. Non, non, pas plus, pas plus, faut pas. Ça tient pas. Les mêmes couleurs, les mêmes couleurs. Il n'y a même pas la place pour les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs. Croyez-moi que si on lui avait présenté Isabelle Boulay, il n'aurait pas mis 30 secondes pour monter une Canadienne. Voilà. Ah, mais c'est une grande tente. Voilà. Ok. C'est une normalement la même tente. Chose moi, dans l'autre sens. Il faut que mette l'autre avant de planter dans le truc. Hein. C'est une tente familiale, Gérard, pour le oui. Dakar. Non, viens, 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 Raphaël. Bah, j'arrête pas de venir. Hein. Voilà. En fait, c'est normal, Gérard, vous avez vu sa taille, il n'a pas besoin de monter une tente, bah, il dort dans sa trousse de toilette le soir. Merci. Merci. C'est un des trucs qui faisait le plus rigoler dans ton spectacle, Laurent, c'est quand tu disais qu'il n'y avait pas d'hormones de croissance sur le Tour de France. La preuve. C'est ça. Et là, tu fais la route. Non, je devrais aller aider. Je vais aller aider. Va donner un coup de main. Claude, ça, je crois que vous, ils n'y arriveront pas, Claude. Allez-y, Claude. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Allez, Claude, non, vraiment. Voilà. Isabelle et moi, on reste là. Voilà. On est anti-Dakar. On la tient. Alors, on va sous la tente. Voilà. Voilà. La voilà, Claude. Voilà. Arnaud, n'en profite pas. Amener un gros ventilo qui s'envole et qu'on n'en parle plus. Ça, c'est le tapis de sol avec la moustiquaire pour le soir. Et dans certains pays, comme au Niger, on en a vraiment besoin. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en dessous. Viens, viens. Viens, Péri. C'est le piqué. Voilà. Bon, allez. Viens là, ma fille. Allez, le Dakar sur le service public France 2, France 3, Raphaël Maison. Alors, il paraît que vous avez déjà flirté avec Sophie Davant, est-ce que c'est vrai? Non, mais... Non, mais... Sur France 2, le journal du... Non, sur France 3, le journal du Dakar, c'est compliqué. À 20h15, tous les soirs, en troisième partie de soirée sur France 3, bivouac. Et puis l'après-midi, avec Céline Géraud, c'est une judokate. Voilà. Oui. Merci, vous restez avec nous pour la dernière séquence de l'émission. Merci qui s'appelle bon. le... Le Kibeski. Non, non. Ah ben qui a vu qui enfin. Le qui a vu qui. Première photo du qui a vu qui, c'est parti. Matar. Non, pas Matar. Alors, la belle Otero. C'est truqué ou pas d'abord? Ah, c'est pas Colette, truqué. Colette. C'est pas Colette. Colette. Bravo Claude Sarraute, la culture. Parce qu'il y a un documentaire. Ce soir sur Arte, ah, c'est bien. Signé Yannick Bellon, un documentaire avec l'auteur Colette. Bravo, Claude. Magnifique. Ah, voilà, voilà. Bravo. Voilà, on voit la femme de l'académicien, voilà. Fille la de classe. Grand écrivain non. Elle-même. On voit surtout, non, on voit surtout la contemporaine. Autre photo, autre qui avec qui. C'est le fils Joachim de Yannick Noah. Joachim Noah. Bravo Gérard Hotz, bravo Jean-Baptiste Guigui, Joachim Noah. Ouais. Qui joue au basket. Non, mais c'est dingue. Basket. Il mesure 2,5 m, le fils de Noah. 2,5 m, et je l'ai connu, je l'ai porté dans mes bras. Oh, c'est un truc sympa, ça, à faire, vu votre taille. Vous allez dans toutes les écoles maternelles, l'institutrice peut vous ouvrir la braguette pour aller pisser, non? Autre qui t'a vu. Qui est cet homme? Donc, non, c'est pas Yannick Noah. Non, c'est pas Nicolas Sarkozy. C'est pas Sarkozy non plus. C'est pas Tricky non plus. C'est un sportif? J'ai un musicien. Pas musicien, mais musicien. C'est le fils de, Bob Marley? Non. Américain? Non, ivoirien. Un ivoirien. Un ivoirien, grand musicien, ça peut être Richard. Il a lancé un appel.
pour dire que c'était bien pour une fois que la France s'ingère en Côte d'Ivoire et s'occupe un peu d'essayer de régler la guerre fratricide qu'il y avait là-bas. Non, non. Je vous donner la réponse, c'est Alpha Blondie. Mais Alpha Blondie. Voilà, c'est Alpha Blondie. Vous aurez peut-être plus de chance bien avec sûr. Le prochain Kika vu qui. Je vois rien. Qu'est-ce que c'est une cérémonie. Non, Raffarin. C'est quoi, c'est un brigadier ça? C'est un brigadier, bravo. C'est celui qui a reçu le prix du brigadier cette année. Exactement. Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, bravo Gérard Rotz. C'est gagné. C'est lui qui a obtenu le brigadier. C'est quoi le brigadier? Je crois que c'est l'association des critiques dramatiques qui décerne un prix chaque année à un acteur, un metteur en scène. Un grand comédien de théâtre, oui. Gérard Rotz sera sur le Dakar pour France 2 et France 3. Bon Dakar, Gérard. Merci beaucoup. Bye bye, à demain à 18h55. Au revoir, Gérard.